reposer sur des expériences de publication, des cas concrets. Et puis ensuite, il y aura un exposé par le Centre Mersenne, donc un service d'édition. Donc pour commencer, on a le plaisir d'entendre Claude Sabat qui va nous parler du journal de l'École Polytechnique. J'ai jusqu'à quelle heure ? Une dizaine, 10-15 minutes et un peu de questions. D'accord. Donc le journal de l'École Polytechnique est maintenant dans sa quatrième année d'existence. L'idée de faire un tel journal il commence à émerger à l'été 2012. Essentiellement, c'était à la suite des difficultés qu'il y avait eu dans les négociations avec Springer, je crois, au printemps 2012. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être dynamiser un peu l'édition académique en France et proposer des solutions alternatives, peut-être pour dynamiser vraiment l'édition universitaire et académique. Alors, il fallait quand même avoir, pour essayer de réussir, à partir de quelque chose qui avait existé, et ce n'était pas la première fois qu'il était dans l'air de republier, de redémarrer le journal de l'École Polytechnique, qui était en fait un des plus vieilles revues scientifiques en France, mais qui était mort de sa belle mort avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un journal assez prestigieux au XIXe siècle, je dirais beaucoup moins au XXe. Et donc j'ai voulu m'appuyer vraiment sur l'histoire de ce journal. Il y avait un article fameux de Poincaré qui avait été publié dans ce journal. Donc on avait une légitimité scientifique sérieuse, et ce qui était important pour acquérir justement une nouvelle légitimité pour une revue scientifique. Donc le journal est reparti en 2014, donc la préparation s'est faite, comme j'ai dit, à partir de l'été 2012. Le modèle que j'avais en tête, en fait, s'est avéré possible, ce qui n'était pas clair au début. Hein. Donc, d'abord, l'idée, c'était qu'il fallait développer l'édition académique, comme j'ai dit, la redynamiser en France, notamment, et en ayant un objectif du point de vue qualité très élevé. Donc on voulait vraiment, on avait vraiment comme idée de viser, disons, des niveaux comme les annales de l'École normale supérieure en France, par exemple, ou les annales de l'IHP. Par ailleurs, il fallait essayer de s'assurer un modèle qui serait viable sur le long terme, et puis aussi qui soit, comme on dit, green open access. Hein? J'ai relu les messages que tu m'as envoyés à l'époque et je n'ai toujours pas compris. Donc je suis désolé. Voilà. Et puis aussi, comme on a vu tout à l'heure, l'idée d'avoir des droits d'auteur sous licence Creative Commons. Donc, puisqu'on a une terminologie qui a l'air de s'être développée tout à l'heure, ce matin, la terminologie des gentils, si on peut dire. Alors, du point de vue scientifique, le journal de départ était une revue qui n'était pas seulement mathématique, qui était aussi, il y avait de la physique, de la chimie dedans. Tous les noms de chimistes ou de physiciens que vous connaissez au XIXe siècle ont plus ou moins publié leurs travaux dans ce journal. En France, en tout cas. Et
Donc l'idée, c'était d'avoir une revue, disons, qui soit généraliste, bon, qui tende vers vraiment une revue de très bonne qualité, donc sélective. Et on était parti sur un format de l'ordre de 600 pages. Pour moi, c'était en gros l'équivalent du bulletin de la Société mathématique de France, avec 15 à 20 articles par an. Et comme on a une revue purement électronique, on pouvait se permettre des articles assez longs. En fait, l'évolution n'a pas été celle que je pensais, c'est-à-dire qu'au début, on est parti pendant les trois premières années sur 400 pages, ce qui était à peu près normal, il fallait se mettre en jambes, mais maintenant on est à 1000 pages en 2017. Autrement dit, ça a évolué beaucoup plus vite que prévu, et la reconnaissance et la légitimité du journal est arrivée en fait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc vous voyez les rubriques, les différentes rubriques qui sont publiées, c'est très très large, on va vraiment des maths les plus pures, enfin on a même un article de logique, enfin c'est vraiment des maths très pures, et des maths vraiment très appliquées. Hein, donc on essaye de tenir, ce qui n'est pas facile du point de vue scientifique, de tenir les deux bouts. Le modèle aussi donnait de l'importance aux jeunes chercheurs. Donc l'idée, c'était de mettre à la tête de ce journal des jeunes mathématiciens. Hein, et c'est l'état où on est maintenant. Les trois rédacteurs en chef, Emmanuel Broyard, Charles Favre et maintenant Virginie Bonailly-Noël, sont des jeunes, vraiment jeunes mathématiciens reconnus dans leur domaine. Et puis aussi, évidemment, il fallait un comité éditorial, disons, qui tienne la route. Une manière surprenante, pour moi aussi, un petit peu, c'est que la mise en place du modèle économique a vraiment bien fonctionné. Alors, la base de ce modèle, c'est ce qu'on appelle le support institutionnel, c'est-à-dire que ce sont les institutions qui permettent, par leurs financements divers et variés, cachés éventuellement, qui permettent le développement de cette revue. Donc, pour avoir un libre accès complet, donc il y a une diffusion et un archivage électronique par MadDoc et donc bientôt Mersenne. La plateforme éditoriale était pendant longtemps mise en place par Matrice et maintenant le relais va être pris par MadDoc. Bon, il y avait un soutien un peu, disons, théorique, je dirais, par la Fondation mathématique Jacques Adamard. Donc, les mathématiques au niveau du plateau de Saclay. Et puis, évidemment, l'école polytechnique, dont le soutien est assez varié. D'abord parce que l'école a la propriété du titre et imprime un nombre faible, petit, mais quand même non nul, de volumes papier pour un archivage pérenne. Bon, il faut dire que ce n'est pas tellement demandé. Hein. Je crois qu'on est à peu près à entre 5 et 10 volumes par an vendus, mais c'était l'optique, hein, ces volumes imprimés doivent et sont prévus pour être utilisés uniquement à des fins d'archivage. Et puis il y a aussi le secrétariat éditorial qui est fourni par le secrétariat du centre de maths de l'école polytechnique, centre de maths Laurent Schwartz de l'école polytechnique. Voilà donc un petit peu comment ça se passe. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de flux financier, sauf pour les ventes des volumes imprimés. Voilà. Et enfin, ce qui a été important pour moi, c'est de très vite faire entrer la revue dans la liste des revues référencées par Matsinet et Centralblatt. Et aussi, ce qui est en fait important, c'est Scopus, enfin des bases de données visibles par le reste du monde. Voilà, donc, je vais arrêter ici.
est parfaitement dans les temps, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Oui, le secrétariat éditorial est au CMLS, vous dites. Donc, oui, oui. Ça en pratique, ça veut dire quoi en fait? Disons qu'il y a une plateforme de gestion éditoriale qui s'appelle OJS. Hein, et c'est une des secrétaires qui surveille cette plateforme et qui pilote un petit peu, qui envoie. Disons que les mathématiciens, en général, ont des attitudes très variées vis-à-vis des outils techniques qu'on peut leur fournir, notamment par rapport à OJS. Et donc, tous n'ont pas les mêmes habitudes de travail. Et il est bon qu'il y ait un petit peu un pilote dans l'avion. La secrétaire éditoriale est là pour ça, pour faire en sorte que la plateforme fonctionne comme elle devrait fonctionner. Et donc, si certains rédacteurs ne font pas exactement comme ils devraient faire en théorie sur une telle plateforme, c'est elle qui le fait à leur place ou leur demande de le faire, etc. Elle est là pour un peu prêter et pour surveiller que les délais n'explosent pas trop, des choses comme ça. Hein. Il y a besoin d'un temps même dans l'avion. Et du coup, pour cette personne, en pratique, ça lui prend ou parce que c'est... Non, c'est pas beaucoup. Je pense qu'elle passe d'une part. Je pense que ça doit lui prendre, ou si on regroupe tout ce qu'elle fait, une après-midi par semaine ou quelque chose comme ça. Donc, il y a la plateforme, et puis ensuite, là aussi, tout ne se passe pas dans le meilleur des mondes possible, complètement sur la plateforme. Beaucoup de gens utilisent leur tunnel, etc. Donc, elle fait en sorte de tout rentrer dans la période, et ça lui prend un petit peu de temps. Est-ce que vous êtes satisfait par OJS? Parce que OJS, c'est vraiment très général, c'est pour des dizaines de milliers de journaux qui sont avec OJS. Juste pour la petite histoire, parce que ça n'a pas été mentionné, c'est vraiment important, développé par PKP, Public Knowledge Project, tout open access, tout gratuit, et c'est vraiment, à mon avis, un programme national de très grande qualité développé par John Wilinski, et au Canada aussi, à Fraser University, qui vraiment, qu'on le suive, parce que c'est... Et là aussi, on a dû en parler ce matin, le modèle coopératif de bibliothèque et d'acteurs pour système financier. C'est vraiment tout de suite. Maintenant, est-ce que techniquement, c'est satisfaisant? Parce que c'est quand même ancien, ça a été développé depuis très longtemps. Mais alors, disons que... Il y a deux possibilités. Un journal, et on essaye d'adapter OJS à notre pratique. Soit on est un nouveau journal qui s'adapte à la pratique OJS. Moi, j'étais dans le deuxième cas. Donc, la rigidité, un petit peu, la OJS n'est pas absolument loin de là. C'est pas l'essentiel pour un nouveau journal. Pour un ancien, c'est quelque chose qui peut poser plus de problèmes. Et il y a aussi une version d'OJS qui est beaucoup plus souple. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont se développer ensemble. Mais pour le moment, et pour ce qui me concerne, ça remplit sa fonction. Et pour moi, une des fonctions essentielles était son multilinguisme. Autrement dit, pour une secrétaire éditoriale qui doit travailler sur la plateforme et qui n'a pas une formation en anglais très poussée, c'est très important d'avoir une plateforme en français, notamment. Ouais, vous publiez aussi une fois par an une version primée du volume de l'année. Ça coûte 100 euros, il me semble, ou 90 €. Je voulais savoir si c'est un apport positif ou si finalement... Disons que les éditions de l'École Polytechnique ne sont pas extrêmement dynamiques. Accordent énormément d'importance à ça. Je vais faire un tout petit peu plus maintenant. Je ne vois pas... pour ce qui me concerne, ce sont les qui gèrent, éventuellement, qui gagnent un peu d'argent avec, je ne pense pas. Il s'agit juste de payer, en gros, l'impression pour ce qui me concerne. Je pense que ce sera la dernière question avant qu'on passe à la question suivante. Justement, j'ai cru comprendre qu'effectivement, vous limitez volontairement l'archivier uniquement à destination de l'archivage. Autrement dit, une bibliothèque encore désireuse de le papier ou une communauté voulant avoir le papier pour travailler peut aujourd'hui faire une demande ou une commande? Oui, bien sûr. Mais comme les éditions sont... Enfin, il faut vraiment le vouloir. J'étais un peu déçu de ce côté-là, mais bon. Pas le seul. Pour évaluer le temps de secrétariat et ce genre de choses par rapport au vrai travail. Le vrai travail, ce n'est pas les articles publiés, aussi les articles soumis. Oui. Pour avoir une idée de si tu as un secret. Non, ce n'est pas un secret. Le taux de rejet ou le taux d'action, tu veux? Celui que tu préfères. Pour être sérieux, actuellement, on est à 40% si on, par rapport aux articles sérieux soumis. Vous avez vu, il y a une augmentation importante du nombre de pages. Je pense qu'on va être plus strict. Maintenant, je ne voudrais pas que la revue démarre trop en flèche. Actuellement, on est satisfait du niveau dans, je n'ai pas dans tous, et donc il y a besoin de faire un travail éditorial. Mais d'un côté, c'est aussi délicat, c'est comme les communautés maturent, appliquées, même au sein des maths appliquées, des maturent, même souvent les mêmes pratiques, mettre tous ensemble, c'est pas. Merci.
Nathalie m'empêche de commencer. Merci Nathalie. Désolée. Non, je plaisante. Ça va aller. Bonjour. Effectivement, comme l'a dit Benoît, je représente la SMF. J'étais comido puisque les vrais spécialistes n'ont pas pu lire, malheureusement, notamment la dépublication, la liberté. Donc, je vais tâcher de faire mon mieux. L'avantage que j'ai, c'est que je précise, comme je ne suis pas spécialiste, je dirais que ce n'est pas ma faute. On m'a mal. Et donc, effectivement, je suis membre du bureau et du CIAF et je vais essayer, dans un premier temps, de très rapidement remettre la SMF dans son contexte et après parler de l'aspect maison d'édition. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Donc, je rappelle brièvement, on le sait, mais enfin, je pense que ça vaut la peine de rappeler que la SMF est savante, qui a été créée en 1872. En 2017, on a atteint 1850 membres, ce qui est pas mal du tout. Et donc, sa structure est la suivante. Il y a un conseil d'administration de 4 membres élus, et issu de ce conseil d'administration avec 8 membres. Il y a aussi un conseil scientifique, et aussi très important, une commission d'enseignement. Et donc, si on regarde dans Wikipédia, il y a une page Wikipédia sur la SMF, je ne sais pas si c'est. Les objectifs de la SMF sont les suivants, donc c'est bon. La SMF a pour but l'avancement et la propagation des études pures et appliquées. C'est joliment dit. Et l'organisation géographique est la suivante. Il y a des bureaux à l'Institut Henri Poincaré à Paris, salariés. Et comme vous le savez sans doute, il y a la maison juste à côté qui emploie 2 salariés. Également 4 salariés au CIRM. Donc c'est l'occasion de rappeler, juste en passant, que la tutelle du CIRM, c'est la SMF. Donc tout ce qui est gestion, vérification des comptes, etc., c'est la SMF. C'est un rôle qui n'est pas toujours si bien connu que ça. La SMF a des activités nombreuses et variées. Je fais une liste exhaustive. Elle participe, elle écrit des tribunaux. Hein. Récemment, vous avez pu voir dans la presse pas mal de choses, je pense. Elle participe à des groupes de travail et des comités sur l'enseignement et la recherche. Et c'est un relais d'information pour toute la communauté mathématique française et au-delà. Et en particulier, j'en profite pour la publicité pour le nouveau site web de la SMF, qui est sur le point d'être mis en œuvre, et qui n'a rien à voir avec l'ancien. Et pour ceux qui savent être la gestion de telle chose, le back-office a totalement changé. Il donne beaucoup de... C'était très très compliqué comme tâche, mais ça donne beaucoup de souplesse sur le fonctionnement, des abonnements, etc. Tout l'aspect technique qui ne se voit pas évidemment sur, web, sur la vitrine à laquelle tout le monde a accès. La SMF organise aussi des cycles de conférences, un texte, un mathématicien, une marcheur. Depuis peu, maintenant, il y a un congrès 2 ans, donc le premier a eu lieu en 2016. Le prochain, c'était à Lille début juin, vous le savez, j'espère. Et la SMF parraine aussi des conférences, des journées. Donc tout ça, c'est pour mettre un peu en perspective l'essence d'aborder le côté maison d'édition. Parce qu'effectivement, là, une maison d'édition, et il y a un mot très important sur lequel je reviendrai à la fin plus en détail, édition indépendante. Et donc, voici la liste des journaux et livres que vous connaissez sans doute tous. Il y a la Gazette des mathématiciens, il y a les Annales supérieures, le bulletin de la Société mathématique de France, qui est sans doute le chantier de l'SMF, la Revue d'histoire des mathématiques, les mémoires de l'SMF. Côté livres, il y a des collections très connues, comme Astérisk, les cours spécialisés, documents, panorama et synthèse, donc tout ça, je pense que tout le monde connaît. Donc ça, c'est toutes des collections que la SMF publie. Pour les Annales de l'ES, c'est... pardon. Ah, excuse-moi. Oui, j'ai une petite question des applications juridiques que vous avez fait ce matin sur le statut d'hystériste. Elle est présentée comme parfois on le voit présenté comme revue. Donc, est-ce que par exemple, vous posez quelque chose, qu'on dessine la publication d'Astérix sur Al, son article, ou est-ce qu'il faut faire plus c'est vraiment dur. C'est pour l'instant, tout à fait, c'est une disma, mais il faut que ce soit suffisamment long. C'est une histoire de format, comment répartir. C'est une question qui n'est pas maintenant, on va en discuter après, bien sûr. Il y a des collections que je mentionne, comme Séminaires et Congrès, la série Cher, Jean-Morlaix, Nouvelle, il y a des volumes spéciaux, vous avez vu certains là-haut, je pense, comme les complètes pour des tomes. Et juste pour donner quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand même, on publie à peu près 1000 pages uniques par an. Et depuis le début, il y a 4 millions de pages imprimées. Et ça fait 50 000 volumes. Donc c'est pas mal. Et il faut préciser que quasiment tous les gens en interne, il y a Marseille. Quand je dis quasiment tous, c'est qu'il y a une partie de la composition qui est externe à faire d'ailleurs. Mais tout le reste, c'est interne. Là, j'aimerais préciser un peu comment ça fonctionne sans trop entrer dans les détails. Et donc, il y a des PMF qui sont spécialement affectés à l'édition. Hein. Donc, il y a 2 salariés à temps plein à l'Institut Henri Poincaré, au dernier étage. 2 salariés à temps plein à Marseille, qui sont vraiment uniquement à l'édition de SMF. Et bien sûr, comme vous en doutez, il y a de bénévoles. Donc, à commencer par la directrice des publications, Valérie Berthet, qui n'a pas pu venir, consacre un énorme travail, un énorme partie de son temps à ça. En plus, il y a pas mal de changements et de nouveautés, donc ça implique un énorme travail. Dans la SMF, Stéphane serait très impliqué, évidemment, dans l'aspect fondamental. Hein. Il y a aussi Jérôme Germoni, qui est spécialement dédié aux outils numériques pour la publication. Et bien sûr, d'autres bonnes mains, comme votre serviteur, comme vous. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner, tout ça. Et juste pour donner un seul petit exemple, le bulletin de la SMF. Donc, même si je rentre en calcul le coût, c'est pas si facile, mais on peut estimer disons, le coût. En fait, il compense ce que ça leur rapporte. Ça veut dire que ça s'équilibre. Donc, on ne gagne pas d'argent avec le but. En fait, on compense ce que ça coûte à quelques zéros près. Donc, c'est le fonctionnement typique qu'on a. Et donc, je vais montrer quelques projets et revenir sur ce que j'entends indépendant. Vous voyez. Donc, en ce qui concerne les projets, on est en train d'afficher au passage de la version électronique du but de l'SMF. Grâce à l'accord avec Matrice, on est aussi en train de tous les astérix. J'espère que c'est la dernière. Et donc, l'idée, ça sera de rendre accès gratuit au PDF des numéros qu'on des années, de licence. Et il y a un projet de revue gratuite innovante dont je ne vais pas parler ici, c'est top secret, mais tellement magnifique qu'on risquerait de prendre l'idée. Et donc, ça, c'est en gros les directions qu'on prend. Et pour revenir sur indépendante,
la SNF qui est indépendante. Alors, je un peu plus. En fait, il n'y a aucun financement récurrent d'institutions d'université. En particulier, la SMFP, c'est salarié. Donc, ça, c'est une énorme salariale très importante. Et pour l'équilibre financier, et donc ça fait quelques années maintenant, on est légèrement bénéficiaire, mais tout est injecté. Bon, par rapport au total, c'est un bénéfice microscopique, mais c'est. Et cet équilibre, il est assez fragile, parce que si vous regardez lentement, il y a une érosion des abonnements, papier ou électronique d'ailleurs. Et donc, c'est un petit peu, même s'il n'y a pas trop d'explications pour expliquer cette baisse, qui n'est pas énorme, mais elle est régulière. Et une petite remarque aussi, du point de vue de la SMF, hein, je ne prétends pas que c'est une remarque générale, mais ça peut être quelque chose qu'on rencontre dans d'autres situations. Le passage d'un journal en gratuit, ça n'a pas de raison de produire d'économie d'échelle. Et donc actuellement, on a une secrétaire pour 9 collections et journaux, et si on en avait... c'est comme ça, on ne peut pas faire d'économie d'échelle de façon simple ou naïve. Donc ça, c'est un... Et donc, le mot de la fin... Donc la SMF est tout à fait ouverte à la discussion sur toutes ces problématiques. C'est évident que la Société mathématique de France veut vraiment aider la communauté mathématique française et au-delà à affronter toutes ces problématiques d'open access, de publication, etc. Donc vraiment, il faut ne pas hésiter à nous contacter, les gens du bureau, pour enclencher des discussions sur tous les aspects, toutes les idées, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc ça, c'est très important de le dire. Et donc là, j'espère vous avoir présenté très rapidement un peu comment on fonctionne. Avec donc les avantages et les inconvénients. Et voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Non, je me demandais quel était le rôle de la SMF en tant que société savante dans la maison d'édition. Donc il y a tous les gens qui sont membres de la SMF. Donc... Non. Si je reviens à ces journaux, je laisse de côté les annales de l'ENS pour l'instant, après je reviendrai. Donc les comités éditoriaux sont liés à la SMF, hein, ils ne sont pas indépendants, donc il y a un conseil scientifique tout simplement, avec des gens extérieurs et des gens aussi qui sont de la SMF. Et donc il y a eu une réorganisation et une évolution de ces comités éditoriaux. Donc c'est en concertation avec le conseil et une partie de... Mais le conseil scientifique, il est vraiment, à part Stéphane Seret et bien sûr Valérie Berthet, parce que c'est lié aux publications bien sûr, après c'est des gens qui ne sont pas dans la SMF. Non. Non, mais moi je parlais aussi, enfin merci, c'était d'ailleurs plus intéressant probablement que ma question, mais qui portait en revanche sur l'aspect économique. C'est-à-dire, est-ce que les SMF contribuent avec les cotisations des membres à la survie de la maison d'édition ? Alors, en fait, la plus grande partie des revenus vient des livres, la vente des livres. Ça, c'est l'écrasante partie. Si vous prenez les adhérents, même s'il y a pas mal d'adhérents, ça représente 13% du budget annuel. Donc c'est vraiment grâce à la vente des livres qui représente les trois quarts, même plus. Et comme je le disais, c'est notamment le problème, c'est de payer les salaires, puisqu'il y a pas mal de salariés de la SMF qui sont purement SMF, et donc il n'y a aucun financement extérieur. Et juste pour finir sur là, les annales c'est un peu différent, puisque je l'ai peut-être dit trop vite. Là, c'est juste qu'on s'occupe de la composition, de l'impression, etc. Mais c'est une revue totalement indépendante, sinon, voilà, niveau scientifique. Même si les autres le sont, évidemment, mais là, c'est un peu à part, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a aucune subvention, Voilà, j'ai fait exprès d'être un peu provocateur. En fait, pour l'abonnement électronique via Matrice, donc il y a directement une subvention qui est donnée aux universités pour qu'elles puissent accéder. Je vais y arriver. En fait, c'est que j'ai trop parlé des gens de Matrice avant-hier, donc ça m'a un peu... Je suis désolé. Merci de corriger toutes mes imprécisions. Et après, il y a aussi des budgets très petits qu'on redemande chaque année, mais qui sont genre 10 000 euros. C'est-à-dire, c'est rien. Si on compare au total, c'est vraiment totalement négligeable. Et malheureusement, c'est pas du tout récurrent. C'est-à-dire que chaque année, il faut redemander. Alors, au fait, vous pouvez pas nous redonner... Oui. Et en plus, tout ça pour... sans avoir de visibilité. C'est ça qui est un peu pénible. Non, là vaut mieux compter sur la qualité des livres et la publicité qu'on fait au sens noble du terme, et c'est ça qui permet qu'on ait rééquilibré les comptes. C'est pas
C'est pas du tout un col, il n'y a pas de colmatage, voilà. C'est... Il y a quelqu'un là. L'indépendance sur le plan financier, j'imagine, enfin, c'est une faiblesse. Est-ce que c'est, ou est-ce que c'est vu avant tout comme une force ou... Bah, le constat, c'est que déjà, je ne sais pas si en France, il y a d'autres sociétés savantes qui sont leurs propres éditeurs. Absolument, je crois pas, mais bon, peut-être que je me trompe. Il y en a dans d'autres pays, pardon. Je suis pas certain, mais franchement, si vous avez des informations, je suis prêt à aller. À ma connaissance, non, mais peut-être, oui. Et donc, c'est vrai que c'est à la fois une force, hein, c'est clair, mais en même temps, c'est précaire, quoi. Voilà. C'est-à-dire que il faut pas se louper, il faut pas se mettre à imprimer 100 000 volumes de quelque chose qui va mal se vendre, etc. Et donc c'est très difficile évidemment. Et donc on aimerait effectivement, dans l'optique de ces journées, de rendre effectivement open access certains journaux, etc. Là, il faudrait peut-être avoir un autre modèle, parce que actuellement tout ce qu'on fait c'est équilibré. C'est-à-dire si on se met du jour au lendemain à rendre open access en accès ouvert certains titres, eh ben il y aura un gros trou dans la caisse, voilà, tout simplement. C'est pas donc il faut réfléchir à diverses solutions, mais la SMF est ouverte. Totalement à discussion. Et pourquoi vous n'iriez pas un peu comme Open Edition vers le freemium, parce que c'est intelligent. On en discute, on en discute. Oui, tout à fait. Et je sais pas, tout d'un coup, il me vient un truc en tête, peut-être ridicule, mais non, non. Vous pourriez faire du plus grand public, au sens aller peut-être un peu vers pas de la vulgarisation bête, mais plutôt de haut niveau. Je sais pas. Oui. Et à ce moment-là, en open access, freemium. Oui, il y a plusieurs. C'est une très. Il ne faut pas que je dise ça comme ça, mais. Je retiens toutes les bonnes idées. Il faut en discuter. Ah, oui. Je pense qu'il y a une demande de société, franchement. C'est-à-dire que expliquer les maths, raconter les maths au grand public, il y a quelques canaux qui existent, mais eux-mêmes ont des gros problèmes, vous le savez probablement. Oui. Donc il y a une place à prendre. Je pense. Donc pour l'instant, c'est sous la forme plutôt des cycles de conférences, etc. Qui font, effectivement, il y a un cycle qui est fait pour les classes préparatoires, les licences, etc. Mais au niveau des ouvrages, ce n'est pas le cas, c'est vrai. C'est tout à fait. Très bien. Merci encore. Merci. Parler pour le journal IPOL. Merci. Donc moi, ce que je vais vous présenter, donc ça diffère un peu de l'aspect mathématique. Donc c'est plus orienté sur l'aspect image, traitement du signal. Donc c'est une initiative en fait de Jean-Michel Morel de l'ENS de Cachan, fait en collaboration à l'époque avec Nicolas Limard. Actuellement, c'est plus Miguel Collomb qui supervise un petit peu l'aspect du journal. Moi, j'interviens notamment par rapport à l'aspect plus, on va dire, géométrie discrète, avec notamment mon laboratoire Le Loria qui héberge un serveur spécialisé pour héberger des démonstrations en ligne que je vous montrerai tout à l'heure, orientées géométrie.
Donc voilà, juste rapidement la présentation du journal, qui est un journal un peu particulier, qui peut être vu comme une nouvelle façon de publier. Donc je vais présenter un petit peu le contexte du journal dans l'aspect sur l'axe recherche reproductible. Je vous montrerai aussi un peu l'origine du journal. Dans la deuxième partie, je parlerai de la forme actuelle, des objectifs scientifiques, et après des impacts que ça peut avoir à la fois au niveau des auteurs et des lecteurs aussi, puisque c'est un point important. Et j'évoquerai aussi l'évolution en cours du journal actuel. Alors tout d'abord, l'aspect recherche reproductible. Alors en informatique, c'est un thème qu'on voit de plus en plus émerger. De manière générale, en science, l'aspect recherche reproductible, suivant les domaines, en sciences théoriques, y a les preuves qui permettent de reproduire les résultats et de vérifier un résultat donné. Juste pour faire un petit aperçu, en sciences expérimentales, c'est pareil, il y a des procédures pour tester par exemple un médicament, on va tester sur des animaux et puis on va voir l'effet. On va pouvoir reproduire des effets sur des expériences. Et là, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a par contre en sciences de l'informatique. Donc là, c'est un peu plus, comme c'est un peu plus récent aussi, c'est peut-être ça qui... Pour l'instant, jusqu'à maintenant, actuellement, on a une description d'algorithmes et de méthodes en général. Souvent, ces descriptions-là sont plutôt réduites, parce que déjà, dans un article, il y a un nombre de pages limité, donc souvent, les descriptions sont limitées. Les paramètres aussi, en informatique, souvent, des méthodes peuvent être dépendantes d'un paramètre qui sont en général pas forcément décrits, parce que ça peut être un défaut, ça peut être critiqué, ça peut être un argument pour des reviewers pour critiquer en fait, la méthode, par exemple. Et dans le même ordre de choses qu'en général, les gens n'écrivent pas forcément tout le temps, soit par manque de place, soit par temps aussi, c'est les étapes de post ou pré-traitement. Mais qui, des fois, on se rend compte que ces étapes-là sont en fait hyper importantes, sans que forcément ce soit forcément un gros défaut dans les méthodes, mais voilà, souvent ces étapes-là sont pas forcément présentes. Donc si je remets un petit schéma de la structure initiale, donc en informatique, si on a une nouvelle idée, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à démontrer, si on est plus sur le domaine théorique, ou proposer une implémentation qui montre que notre méthode fonctionne. Et puis, avec ces deux choses, on va écrire un nouvel article dans une bonne revue, de préférence. Et on peut espérer que quelqu'un réutilise notre chose. Donc, du côté plus utilisateur, on va trouver un article qui est visiblement intéressant. Et on se dit, est-ce que je vais pouvoir réimplémenter l'algorithme ? Et ce qu'on peut espérer dans ce cas-là, c'est si on prend du temps justement à réimplémenter l'algorithme, c'est qu'on ait des résultats qui soient conformes à l'original. Là c'est un peu l'objectif de l'aspect recherche reproductible. Et les difficultés qu'on retrouve fréquemment en informatique, et plus globalement, en traitement du signal, c'est l'aspect que le code n'est souvent pas disponible. Donc souvent, c'est un frein, puisque s'il n'y a pas le code, déjà, si on commence à payer, à développer soi-même, c'est du temps, donc c'est de l'investissement. Et si on n'a pas la garantie qu'on a le même résultat, c'est un problème. Autre problème aussi, c'est que la qualité, souvent, n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, puisqu'en général, les résultats qu'on montre dans les articles, on essaye de montrer les résultats qui marchent, quoi. On ne va pas montrer les pires cas. Enfin, normalement, on peut essayer aussi, quand même. C'est toujours bien vu. Mais souvent, ce n'est pas forcément facile. Il y a quand même un biais qui existe. Et puis même, il y a un autre biais. Enfin, c'est qu'en fait, dans certains domaines, on peut essayer d'avoir des données un peu spécifiques qu'on aimerait bien essayer. C'est une difficulté qu'on peut avoir. Et comme conséquence, les comparaisons sont difficiles, ça prend du temps. C'est peut-être même du temps perdu des fois si une méthode en fait marche très bien. Ça peut être un temps perdu pour le lecteur et ça limite même la diffusion de la recherche en fait. Quand vous avez un article, on voit que l'implémentation a l'air compliquée à faire. La plupart du temps, en fait, même si jamais le code n'est pas donné, l'article, sauf s'il y a vraiment une idée maîtresse qui est vraiment super forte, on peut très bien avoir des articles qui ne sont même pas cités et qui sont même oubliés, même s'ils étaient très bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pour pallier à ça en recherche reproductible, on voit souvent quand même la mise à disposition du code.
Donc ça fait, c'est une valeur ajoutée qu'on ressent d'expérience. Dès qu'on donne le code, c'est quand même, il y a un plus. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de tout réimplémenter. Par contre, le problème qu'on remarque souvent, c'est que le logiciel n'est pas forcément valorisé. C'est-à-dire que vous êtes en étudiant en thèse, si vous commencez à valoriser votre logiciel, en commission, les gens qui recrutent, en général, l'argument, il revient quasiment jamais. Quoi. C'est, sauf s'il y a un brevet, l'argument, souvent, certains organismes dira oui, il y a un super brevet, même si le brevet, ça se trouve, il n'est jamais défendu, il n'est peut-être même pas applicable, le fait qu'il y ait un brevet, tout de suite, c'est bien. Donc le logiciel en soi, c'est rare des gens qui disent « Ah ben là, ce logiciel, si, il vaut quelque chose, j'ai regardé les sources. » Ça, on ne voit jamais, malheureusement. Donc c'est un effort important qui n'est pas forcément rentable pour l'étudiant, ce qui est dommage. Alors, au niveau diffusion, au point de vue recherche reproductive, il y a des journaux qui existent, un peu spécialisés dans le logiciel. Alors, il y en a un certain nombre, hein, comme Source Code for Biology, des domaines qui vont toucher plus le niveau software, en fait, qu'autre chose, ou alors des domaines comme la biologie ou la médecine. Après, il y a un autre point aussi, c'est les plateformes de diffusion, comme Run My Code ou Run and Share, etc. Donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais là l'idée c'est que, par exemple, vous pouvez uploader vos données et puis automatiquement en ligne vous avez le résultat de vos logiciels. Sauf que là c'est quand même un petit peu gênant, c'est-à-dire que même ça peut être gratuit d'ailleurs, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de validation scientifique dessus. C'est-à-dire qu'ok, on a une implémentation certes, mais on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est utilisé derrière. Donc pour avancer au niveau scientifique, c'est quand même gênant de ne pas avoir exactement de savoir ce qu'on va manipuler ou pas. Donc voilà, donc l'origine en fait, par rapport à ce contexte un peu recherche reproductible, l'origine du journal, donc ça a été initié en octobre 2009, donc sous l'initiative de Nicolas Limard et Jean-Michel Morel, de l'équipe du CMLA, de l'ENS Cachan, et le premier article a été publié en 2010. Et donc la motivation, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, c'est une nouvelle façon en fait de publier, de permettre à tout le monde de tester directement les algorithmes en ligne et être indépendant de la plateforme sans même télécharger du code, même sur un téléphone à la rigueur. L'idée, voilà, c'était d'avoir quand même un journal avec un article derrière. Donc justement, les caractéristiques du journal, donc c'est un journal de manière, comme on peut le voir, de manière classique, en traitement et analyse de signal maintenant, parce que maintenant il y a aussi l'aspect 3D et l'aspect audio. Donc chaque article en fait contient la description d'un algorithme et du code source qui est associé à l'implémentation proposée. Et ce qui a aussi un peu d'original, c'est le troisième point. Chaque article, en général, alors c'est pas obligatoire, mais est associé à une démonstration en ligne. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut tester, voir si tel algo de débruitage, par exemple, fonctionne avec son image un peu particulière, ici de la biologie, par exemple, eh ben, en fait, même si la personne ne connaît absolument rien en informatique, si elle sait juste aller sur Internet, je vous montrerai tout à l'heure, elle va être capable de tester le résultat en ligne. Alors, c'est aussi... donc, il y a un processus de relecture et d'évaluation qui est assez conséquent, puisque non seulement il n'y a pas que l'article qui est reviewé, mais il y a aussi le code qui est reviewé, c'est-à-dire qu'on analyse le code et on fait une review, ce qui peut être très longue du coup, parce qu'il y a à la fois la partie scientifique et la partie codage, et aussi les démonstrations, puisqu'on veut avoir la garantie que tout, que ça soit exactement l'algorithme qui est implémenté, donc même la partie démonstration est reviewée. Et c'est un journal open science, donc de recherche reproductive, donc voilà, c'est gratuit. Tout le monde peut soumettre gratuitement, tout le monde peut y accéder gratuitement, les PDF des articles, les auteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc là c'est le modèle plus que green d'ailleurs, mais voilà. Alors, ce que Hippol n'est pas, alors par contre, il faut faire un peu attention, souvent les gens un peu confondent, mais en fait l'objectif c'est de publier des algorithmes et leur implémentation, mais c'est pas, l'aspect logiciel c'est pas ça en fait, c'est pas ce qu'on cherche à avoir. C'est pas une bibliothèque non plus ou un diffuseur de librairie, là ça n'a pas de lien, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des librairies, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas chercher à avoir des versions de logiciels, ça, ce n'est pas du tout l'esprit. En général, quand on a un article, on a une version de code et c'est fini. Elle n'évolue plus parce que ce n'est pas l'objectif, en fait. Donc voilà, donc ce n'est pas une plateforme logicielle. Donc voilà à quoi ça ressemble à la structure du journal. Donc c'est en ligne, même si, au point de vue éditorial, il y a des besoins, il y a forcément maintenant
un PDF qui est associé à ça. Donc vous avez, donc voilà, vous pouvez observer ici, donc il y a trois onglets. Donc là, vous avez un exemple d'article avec la structure de l'article du PDF que vous voyez ici. Et il y a les trois onglets où il y a l'aspect aussi démonstration que vous voyez ici. Donc si vous pouvez tester, hein, si vous allez en ligne sur, sur l'adresse de ePaul, donc ePaul.im, en fait vous pouvez télécharger votre image qu'on voit ici, soit tester avec les images qui sont proposées, les images de test, ou alors uploader votre image. Donc il y a aussi une page qui est assez intéressante au point de vue historique. C'est-à-dire que vous pouvez voir qui a testé, enfin pas qui, mais quelles sont les images qui ont été utilisées pour tester vos algorithmes. Donc ça, c'est vraiment une partie aussi assez intéressante. Au niveau aspect classique, donc c'est, il y a un projet éditorial, un comité éditorial de manière assez, assez classique, avec un numéro DOI, etc. Il y a des éditions spéciales aussi. Et il y a des... voilà, on est indexé maintenant par Scopus, c'est quasiment bon, vraiment, je crois même que c'est bon. Des BLP, etc. Enfin, il y a... Maintenant, il y a la plupart des indexations qui sont là. Et voilà, donc ce que je disais un peu tout à l'heure, chaque article doit proposer une implémentation. Il y a une phase de relecture, vérification de l'implémentation. Donc voilà, donc c'est un travail assez conséquent. Au niveau... Alors là, je passe un, peut-être, hein, je peux peut-être passer un peu rapidement, puisque plus orienté en maths, mais voilà, il y a quelques contraintes au niveau logiciel. Et puis des procédures à respecter, histoire que ça soit pas un peu n'importe quoi. Enfin voilà, je vais passer un peu vite, mais c'est les langages, c'est pas exhaustif. On a tendance là à essayer d'ouvrir au maximum pour que les gens puissent soumettre facilement. Et l'objectif scientifique global du point de vue éditeur, là, c'est de couvrir en fait l'état de l'art de l'axe qui est assez ambitieux, hein, de l'axe traitement d'image, traitement du signal, et d'identifier en fait les algorithmes qui vont être représentatifs de l'état de l'art, sachant que chaque année il y a à peu près 5000 articles qui sortent, qui sont publiés. On peut se demander, ben voilà, mais quels sont les articles qui émergent? Ben là, c'est un peu l'objectif d'ePaul, que les choses qui émergent soient ici, et donc de représenter un état de l'art. Mais aussi d'ailleurs, ce qui est important aussi, que ce ne soit pas uniquement les articles, même si les choses commencent à être dépassées, des algorithmes, les garder, enfin quand même avoir l'aspect implémentation en ligne, parce que c'est important aussi de... Même s'il y a des nouvelles articles qui montrent, qui sont meilleurs pour certaines images, en fait, on se rend compte que des fois, des articles qui datent de très longtemps, ben, en fait, des implémentations... souvent, les gens n'ont pas assez poussé les paramètres, et on se rend compte que des fois, ça marche très très bien. Et là, on se rend compte de l'utilité d'avoir des démonstrations en ligne, même sur des algos qui sont un peu anciens, en fait. Donc voilà, juste un petit aperçu sur les axes thématiques actuels. Vous avez à peu près le nombre d'articles qui sont dans chaque thème, donc c'est assez vaste. Il y a deux axes principaux où on couvre à peu près l'état de l'art sur l'aspect débruitage d'image, où là, il y a a priori vraiment quasiment l'état de l'art, et en stéréovision. Le reste, on s'y approche petit à petit, en fait. Hein. Voilà, alors maintenant au niveau un peu des impacts du journal, juste avoir un petit aperçu de quelques chiffres. Donc on a 121 articles qui ont été publiés depuis 2010, il y en a 20 en cours d'évaluation. Donc voilà, vous avez aussi les citations qui apparaissent donc dans Google Scholar. Et donc là on s'aperçoit, ce qui semble assez naturel au moins en informatique, bah, du coup que les citations augmentent très vite en fait, parce que c'est vrai que si en plus vous avez l'implémentation, de se comparer, ça prend 30 secondes. Hein, vous téléchargez vos images et là, que vous comparez à quelque chose qui est en plus de l'état de l'art, connu comme état de l'art. Donc en général, ça aide vraiment à être cité d'ailleurs, donc à ce que nos travaux ne soient pas complètement oubliés. Au point de vue statistique, alors voilà, là j'ai que des chiffres de 2013 parce que, en fait, il y a une nouvelle architecture, hein, ils ont changé de système, du coup, voilà, je préférais mettre des chiffres qui étaient à jour, enfin à jour. Plutôt que des chiffres erronés. Donc voilà, c'est à peu près 100 000 visites sur cette période-là, avec 25 000 téléchargements. Là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. L'utilisation des démonstrations en ligne, donc c'est vraiment bien utilisé dans une gamme de pays assez large. Donc voilà, c'est juste pour donner un aperçu de l'utilisation
des choses, de l'impact du journal. Et il y a certaines démonstrations qui ont plus de succès, comme par exemple un algorithme de détection de droite. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, moi je travaille un peu dans ce domaine-là. Et en fait, comme on voit souvent passer des articles sur ce thème-là, à force, on peut se dire, ah bah, c'est peut-être un truc maintenant, bon, bah, c'est bon, on a fait le tour. Au niveau recherche, est-ce que c'est un intérêt encore de travailler là-dessus? Au niveau déjà application, bah, en fait, ce genre de choses, je trouve super intéressantes dans le sens où, quand on regarde le nombre de gens qui ont testé ça en ligne au cours du temps, on se dit, ah bah si, en fait, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et donc, quelque part, ça me motive aussi de se dire, ah bah si, il y a plein de gens. Et l'air de rien, donc c'est un des articles les plus cités, mais et c'est pas quelque chose que personnellement j'aurais parié forcément. Alors après, c'est peut-être la qualité aussi hein, de l'algorithme, mais voilà, les gens testent. Enfin, c'est, je trouve qu'il y a un côté motivant de voir ça. Donc voilà, justement, les impacts pour les auteurs. Donc c'est donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un test immédiat sans aucun investissement au point de vue utilisateur. Ça incite les gens à se comparer. Donc ça, c'est, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. Et ça permet déjà aussi d'être sûr qu'on a bien que notre implémentation elle est bien la bonne. C'est-à-dire déjà même pour soi, être sûr qu'on a bien les bons résultats de l'article, qu'il n'y a pas d'erreur. On peut faire des erreurs aussi. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi de rapidement se dire est-ce que le truc qu'on a proposé, c'est pertinent ou pas. C'est toujours un gain de savoir si bah, est-ce que ça... Ou même voir des images dans les historiques sur les cas où ça marche super bien, et puis des cas en fait, où ça ouvre des nouveaux points d'intérêt au point de vue de recherche. Donc voilà, il y a aussi un feedback du coup à travers l'historique, ce que je viens de dire. Détection de cas où il y aurait des problèmes, par exemple, et des mesures de la robustesse par rapport à des paramètres en images. Alors, il y a aussi un impact que j'ai remarqué personnellement au niveau de la publication des reviewers. J'ai remarqué que souvent, quand on donne un article, on soumet un article même qui n'est pas forcément... on se dit, tiens, c'est pas l'article du siècle, mais quand même, il y a un travail qui est fait, qui marche, on est content. Mais en général, quand il y a une démonstration en ligne, j'ai rarement eu de... C'est rarement fait rejeter un article avec une démonstration en ligne. Alors, peut-être du hasard hein, pour l'instant, mais je pense que ça... Ça permet peut-être de convaincre le reviewer qui était un peu indécis de se dire « Ah oui, ça marche, j'ai la preuve quelque part. » Il peut tester avec ses images et il peut être vite convaincu, le feedback est là. Quoi. Alors par contre, on peut quand même avoir des critiques par rapport à ça. Dans le... Première chose, c'est quand même un effort qu'on peut qualifier d'excessif dans le sens où il n'y a pas juste un article à écrire. Pour un étudiant, c'est quand même un effort. Hein. Il faut donc faire du code propre, commenter du code qui tourne, et qui va être reviewé, donc il y a plus de temps de review, hein, c'est un peu plus long, même si on arrive quand même à avoir des temps qui sont corrects. Voilà, il peut y avoir des articles qui sont publiés en 3 mois, hein, ça existe. Mais voilà, ça peut être variable. Et il y a de nombreuses données à vérifier. Donc il y a, en fait, c'est x3, quoi. Il y a article, code, et la démonstration, qui est à faire aussi. Donc il n'y a pas encore vraiment de chiffre officiel d'impact factor, mais je pense qu'on peut assez vite convaincre les gens que bah, ça a vite... On va vite être soutenu. Donc voilà. Donc les bénéfices, voilà, j'en ai parlé. On a un gain tangible par rapport aux industriels, on peut être assez convaincant, même par rapport à des projets. Le fait de dire qu'on va publier là, c'est quand même, ça convainc assez facilement les gens. Alors le mode de workshop, c'est un nouveau mode. Alors je vais peut-être pas juste vous montrer un peu l'idée. Est-ce que je l'ai mis là ? Alors, le mode workshop, en fait, c'est un peu pareil, sauf que l'idée, c'est de vous publier pas en fait, d'articles, mais juste la démonstration en ligne. Ce qui fait qu'en fait, ça permet un peu de montrer, par exemple, si vous soumettez dans une conférence, si vous avez la démonstration en ligne, ça permet de montrer que bah, votre code marche. Alors, les évolutions, donc je n'ai pas trop de temps, mais je vais juste vous montrer voilà, que ça fonctionne, par exemple, sur des données en géométrie, en 3D, ça, voilà, les choses sont faites. Les choses sont faites au niveau du son aussi. Voilà, il y a des choses qu'on peut tester avec du son et soumettre des articles qui sont orientés son. On a une nouvelle architecture là, qui est assez intéressante, qui permet avant, si vous vouliez faire une démonstration, c'était manuel. Il fallait coder un petit peu en Python. Alors, il y a des gens dans l'équipe People qui pouvaient vous le faire pour vous, mais en général, ça prenait un peu de temps. Mais maintenant, ce qui est vraiment, ça peut devenir un outil, c'est-à-dire que vous pouvez vous générer vous-même vos démonstrations sans générer de code, sans manipuler de code. Juste avec un simple... vous donnez en gros votre description de où est votre code, comment le compiler, comment l'exécuter.
et hop, c'est magique. Après, vous avez votre démonstration qui arrive automatiquement. Et ça, c'est fonctionnel actuellement. Vous pouvez demander à l'équipe de créer un compte. On peut vous le créer. Enfin, faut juste voilà, qu'on vous ait vu physiquement quand même. On ne fait pas ouvertement pour des questions de sécurité, mais voilà. Donc voilà, pour conclure, ben voilà, c'est un nouveau. On peut voir ça comme un nouvel outil en fait, à la fois de publication et de mesure d'impact, de retour en fait, d'expérience. Donc c'est quelque chose. Moi, je considère même au-delà de la publication, c'est même plus pour moi un outil où je travaille avec, sans même forcément immédiatement soumettre. Voilà, j'ai un feedback avec mes co-auteurs, ce qui n'est pas forcément tout le temps facile. Voilà, et c'est. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir. Qui j'espère en est qu'à ses débuts, donc, comme je disais, à la fois pour collaborer avec des gens et convaincre des gens et même voir tout de suite les défauts que ça a ou pas. Voilà, donc j'ai juste mis le lien pour avoir un suivi sur Twitter, on est présent, et quelques références. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi j'ai deux ou trois questions. J'avais une question du point. Je n'ai pas compris concrètement si. Parce que effectivement, c'est complètement bluffant, hein, mais si je suis un auteur et j'ai envie. J'ai l'impression que dans l'impact pour les auteurs, ouais. Il y a le fait qu'une fois que c'est dans le système, ça permet de faire des trucs qu'on ferait pas soi-même, ou je sais pas. Enfin, en particulier les démos. Et. Donc comment est-ce qu'on fait pour être auteur dans cette revue ? C'est-à-dire, est-ce que, moi, le type d'auteur que je connais, il tape un texte en LaTeX, il l'envoie à quelqu'un. Donc ouais. Là, il faut avoir préparé sa démo, il faut l'avoir déjà mis dans le système pour que les référés puissent aller voir ? Pas forcément. En fait, vous pouvez déjà écrire l'article en votre algorithme, la méthode, avoir du code associé. Mmh. Après, si en informatique, vous ne connaissez pas du tout comment marche le système, vous pouvez demander à l'équipe. En général, il y a l'éditeur qui se charge de créer la démo si elle n'existe pas. Mais même pour un article qui est juste soumis, pas encore accepté. Alors, il y a une phase un peu de préprint du coup, qui, en général, voilà, si on commence à faire ces démarches-là, on sent qu'il sera accepté. Enfin, c'est rare qu'un article commence à avoir une démo en ligne et soit refusé après. Enfin. Oui, c'est ça. J'essaie de. Non, on commence par le code et si les étapes se suivent, voilà, la démonstration est faite, ce qui serait. D'accord. Et mon autre question, c'est l'archivage à long terme. On avait engagé une discussion il y a très longtemps avec Nicolas Limard, je crois, c'est comme ça que c'est. Oui. Pour avoir une version d'Ipol dans NumDam. Bon, alors les ambitions n'étaient pas de reproduire le site, hein, mais d'avoir juste un PDF et éventuellement une archive du code comme un zip ou quelque chose comme ça. Puis apparemment, c'est tombé dans les limbes. Alors, je sais qu'au départ, c'était vraiment une page web. Tout était en page web. Oui, alors il n'y avait pas de PDF pour tout. Voilà. C'était l'un du des coup, trucs qui bloquait. Il y a eu un switch qui a été fait vers 2011. Et du coup, maintenant, au point de vue archivage, je pense qu'il n'y a plus trop d'erreurs. Enfin, vu que tout est indexé, je pense que potentiellement, et que tout est en PDF, je pense que ça doit être faisable. Alors maintenant aussi, il y a l'architecture modulaire, donc je pense qu'on peut, à mon avis, facilement imaginer quelque chose qui exporte automatiquement. Mmh. Autant avant, il n'y avait pas cette architecture modulaire. Autant là, je pense que ça doit être faisable. Ah oui, il y a une dernière question. Qui est l'éditeur au sens je sais pas, c'est-à-dire, par exemple, il y a des DOI, donc quelqu'un enregistre les DOI. Et il y a une personnalité morale, quelque part, qui est l'éditeur de la... Oui, dans l'équipe, c'est José Luis. Ouais, dans l'équipe, voilà, c'est un peu toujours les mêmes, d'ailleurs, je crois, mais... Au niveau éditeur, ouais, il y a toute une étape ouais, d'enregistrement avec des DOI. Non, mais ma question, c'est plutôt qui est formellement, enfin, je sais pas, à partir du moment où on a une publication, il y a un éditeur. Ah oui, alors oui, pardon. Ok, pardon, j'avais pas compris votre question. Il y a un éditeur associé qui est visible. Est-ce qu'on le voit là ? En fait, il y a le nom de la personne éditeur. J'ai pas l'exemple là, mais oui, il y a un nom qui est associé à chaque article, en fait. Il y a une association. Ouais. Il y a une personnalité morale, est-ce qu'il y a une association ? Ah, pardon, une association. Alors, je crois qu'il y a eu la création en fait, d'une association. Alors, je ne sais pas trop où ça en est. Si c'est cachant ou si c'est... Non, c'est pas... Non, je sais que il devait créer une association justement pour exister en fait, justement, comme personne morale, effectivement. Okay, donc et là, ouais, ça c'était en 2015 où il y avait eu cette discussion-là d'avoir. Après, je ne sais pas si ça avait été vraiment fait ou pas, mais
effectivement, il y avait un besoin en tout cas. Ça avait été discuté. Ouais. Le nom de l'administratrice, c'est Sandra Doucet, qui est la bibliothécaire de Cachon. Ouais. Bon, c'est extrêmement impressionnant. Pour moi, vous êtes un des meilleurs exemples. Quand je fais une présentation, je parle très presque à chaque fois de vous, parce que c'est exceptionnel. Mais, deux questions. Techniquement, vous travaillez avec OJS, donc je vais reposer la même question. Est-ce que vous êtes contente d'OJS? Et ça serait intéressant d'avoir un feedback. J'en ai discuté avec plusieurs personnes chez vous, ils n'étaient pas tous complètement contents. Et puis la deuxième question, ce qui m'impressionne, c'est la quantité de peer reviewing que vous avez à mettre en œuvre. Et donc vous êtes combien l'équipe, comment ça fonctionne au sens de nombre de membres du comité éditorial? Est-ce que ça vous pose un problème? Disons, en gros, si vous pouvez nous dire combien vous avez de soumissions, mettons, par an, combien sont acceptées par an et combien de personnes gèrent ça? Parce que c'est quand même gros. Quand même. Le travail pour chaque article et chaque publication est très important. Alors, ouais, déjà, pour répondre par rapport à OJS, je dirais que c'est quand même un système, effectivement, il faut avoir une certaine habitude. Alors, avec l'expérience que j'ai, moi, alors parce que c'est critiquable au point de vue interfaçage. Après, il y a plein de choses qui sont critiquables au point de vue interface. Il faut pas. Après, c'est effectivement, ça s'adapte un petit peu à l'interface. Et il y a un gain de temps parce qu'effectivement, refaire toute une interface a un coût. Pareil, utiliser d'autres interfaces, je ne sais pas s'il y a vraiment une interface idéale. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des trucs un peu gênants quand même, notamment pour l'aspect maths. J'ai eu, moi, d'expérience, un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, on avait des retours d'auteurs. Et puis j'étais étonné en tant qu'éditeur, c'est que la personne que je connaissais quand même ne répondait pas à certaines reviews en fait. Il prenait tous les points au départ, et puis tout d'un coup il s'arrêtait. Et je vérifiais les articles, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il ne répond pas à ça? C'est quand même juste, il y avait une formule. C'est au moment où c'est tombé sur une formule. Et je me suis dit, mais pourquoi il ne répond pas? Donc j'ai quand même fait la remarque, je dis, tu pourrais quand même répondre à ça. Cela, c'était pas. Il me fait, ah bon? Mais non, je n'ai pas vu. Et effectivement, en fait, il y avait un bug dans l'interface. Dès qu'on mettait, le reviewer mettait une remarque avec une formule dedans, voilà. Eh ben, tout le reste n'existait plus. Oui, c'était pas fait pour les maths au départ. Voilà, ouais. C'est ça. Donc heureusement qu'on l'a détecté à ce moment-là, et Nicolas Limard à l'époque avait fait un retour de bug. J'espère que ça a dû servir, parce que surtout en maths d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais à part ça, après, quelque part, une fois qu'on connaît, il faut savoir comment ça marche. Mais au moins, je pense qu'il y a quand même un gain de temps au final. Enfin, un gain de temps. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont me dire ça va pas, non. Mais après, voilà, c'est loin d'être parfait. Des fois, on cherche des fichiers, on sait pas où ils sont. Mais à force, je pense qu'on a les habitudes de dire le lien il est ici, et puis on y arrive. Quoi. Puis à terme, vous pouvez le faire évoluer, c'est ça en fait. C'est plus dans cet esprit-là. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a gardé, mais ça marche parce que peut-être que l'équipe est pas trop, trop grosse aussi. C'est-à-dire que si on ouvrait. Si ça avait un succès, fait trop vite un gros succès, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient fous. Mais alors, vous êtes combien? Comment ça fonctionne? Alors oui, alors après, pour la question répartition, alors, le nombre de soumissions, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais par contre, ils ne sont pas forcément révélateurs. Parce qu'en fait, comme ça demande en fait un travail qui est conséquent, c'est-à-dire que la personne qui va se faire rejeter son article. C'est quand même difficile. C'est-à-dire que la personne, elle a du code, elle cible le journal, donc ça veut dire qu'elle connaît, elle sait ce que ça attend. En général, il faut qu'il y ait un truc de qualité quand même. Il faut du code, une démonstration qui marche et le truc qui est un peu original. Et là-dessus, en fait, au niveau rejeté, en tant qu'éditeur, moi, l'expérience que j'ai, c'était plus quelqu'un qui s'était un peu, pas trompé, mais qui nous envoyait un truc qui était, dans mon cas, c'était lié à la géométrie discrète, mais qui s'appliquait, que ça ne pouvait pas intéresser vraiment directement grand monde. Donc là, on l'a directement aiguillé en disant « Écoute, on peut faire l'effort, mais il faut vraiment que tu trouves une application. » Et là, la personne a dit « Non, mais OK. » Donc ça, on ne comptait pas vraiment comme une soumission, on pourrait, mais donc le taux de soumission est pas... c'est à peu près... Là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on ne croule pas sous les soumissions, on se dit « notre truc. » Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soumission, au contraire. Enfin, on dirait qu'on commence à avoir des choses un peu plus de gens qu'on... Oui, mais l'équipe, vous êtes combien alors au niveau du membre du comité éditorial? Je ne sais pas s'il y avait la liste. Il y a la liste sur le site des éditeurs, mais là aussi, c'est un peu difficile à quantifier. L'équipe, la grosse équipe quand même, est à Cachon.
Après, il y a d'autres personnes aussi qui contribuent. Donc, mais ouais, je ne sais pas Baléares, si je me souviens bien. Les chiffres. Vous avez un petit groupe au Baléares aussi, si je me souviens bien. Il y a des, en fait, vous avez des, non, mais vous avez tout un groupe international. En Espagne aussi, oui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Eh bien, merci encore. Merci. Ok, donc on va maintenant écouter Mathieu Romani qui va parler des annales Henri Lebeug. Oui. Bonjour à tous, donc mon tour de prendre la parole. Je remercie d'abord chaleureusement les organisateurs d'avoir aménagé un petit peu l'emploi du temps pour insérer ma prise de parole. Je vais vous présenter un nouveau journal généraliste qui s'appelle Les annales Henri Lebeug, avec un petit film qu'on va voir dans quelques minutes. Les annales Henri Lebeug, elles sont soutenues en partie par... le LABEX du Grand Ouest, qui s'appelle le Centre Henri Lebeug. Pourquoi le nom de Lebeug? C'est parce que Lebeug a été professeur à Rennes au début de sa carrière. Et donc ce LABEX regroupe les labos de Rennes, Angers, Nantes et Brest. Alors je vais vous dire simplement quelques mots sur la genèse de ce journal, et puis ensuite on passera le petit film. Donc le journal va être lancé cet automne, hein. Donc c'est vraiment un film promotionnel, disons. Donc la genèse du journal et de l'idée, c'était que simplement les mathématiciens des quatre labos concernés depuis plusieurs années se tiennent au courant de l'actualité de l'édition scientifique, celle dont on parle aujourd'hui notamment, bien sûr. Et à Rennes notamment, il y a eu une réflexion active, disons une veille active du conseil de labo et d'un certain nombre de personnes, ce qui fait que, alors alimenté par un certain nombre de prises de position qui ont eu lieu lors des derniers, notamment des négociations avec les éditeurs commerciaux de ces dernières années, des textes ou des actions comme celle du RNBM, etc. Donc on s'est nourri un petit peu de tout ça, de telle sorte que quand l'idée a germé dans la tête de certains
de lancer une nouvelle idée, ben, il y avait un terreau fertile et c'est parti assez vite. Donc ça, c'est au niveau humain. Et puis au niveau plus matériel et financier, il y a aussi l'existence d'un certain nombre de structures, comme le centre Mersenne qui va être présenté après, comme le Labex qui existait, qui même s'il n'est pas complètement pérenne, avait quand même un socle de départ. Et donc tout ça, ça fait que c'est parti. Il s'agit d'une revue généraliste qui a vocation à publier des mathématiques pures et appliquées avec un spectre assez large parce que c'est un spectre qui représente les thématiques des quatre labos qui sont soutien de support de ce journal. Et donc il y a pour représenter ça un comité éditorial assez large qui est divisé en trois parties. Algèbre, géométrie, analyse et probabilité statistique. Je crois qu'on va découvrir ça dans le film. Voilà, donc c'est un film qui dure un petit peu moins de 4 minutes. Et puis après, on pourra aborder les questions si vous en avez. De l'écriture à la publication d'un article, il y a tout un processus où nous, mathématiciennes et mathématiciens, jouons un rôle de premier ordre. Nous sommes auteurs, nous sommes éditeurs, nous sommes rapporteurs. Pourtant, nous continuons à faire appel à des éditeurs commerciaux pour des services que la recherche publique a les moyens d'assumer elle-même à l'heure du numérique. Ce faisant, nous ne nous voyons pas seulement imposer des produits superflus et des tarifs injustifiés qui nous étouffent, nous sommes aussi contraints à céder la propriété intellectuelle de nos théorèmes. Un groupe de jeunes mathématiciens a eu l'enthousiasme et l'énergie de créer une revue vertueuse, les Annales Henri Lebesgue. Cette revue électronique sera gratuite, ouverte et généraliste. Nous avons constitué un comité éditorial large, représentant peu ou prou les mathématiques contemporaines, des statistiques à la géométrie algébrique, en passant par l'analyse et les probabilités. La pertinence et l'équilibre de ce comité seront assurés par un renouvellement périodique de ses membres. Les Annales Henri Lebesgue ne sont pas seulement une revue vertueuse qui offre la garantie de la gratuité aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur. Nous l'avons pensé pour qu'elle soit également une revue extrêmement simple d'utilisation, depuis la consultation jusqu'à la soumission. Nous avons conçu un site web très épuré, où l'information utile est directement accessible. Un site web sur lequel nous tenons le pari, vous pouvez soumettre votre article en moins de 2 minutes. Voyez vous-même. Cliquons ensemble sur l'onglet de soumission. Pour soumettre un article, j'indique d'abord mon adresse e-mail, mon prénom, mon nom, à présent mon article. S'il est déjà sur Archive, je peux cocher cette case et simplement donner la référence de mon dépôt. Le site se charge lui-même du reste. Ce n'est pas le cas de l'article que je veux soumettre. Ce n'est guère plus complexe. Je donne le titre de mon article, les coordonnées de mes co-auteurs, et je télécharge mon PDF. Je peux maintenant, si je le souhaite, sélectionner une rubrique pour mon article et proposer éventuellement un éditeur à qui sera confiée ma soumission. Un commentaire si besoin. Je clique sur le bouton « Submit ». C'est terminé. Réservez-nous un accueil chaleureux et envoyez-nous vos plus belles inventions mathématiques.
Voilà, donc c'est les soutiens du journal qui apparaissent là. Je voudrais juste préciser une ou deux petites choses. D'abord, au début, là, le bandeau de la souris masquait un peu le nom de la personne qui est apparue. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Nicolas Raymond, qui est un analyste de l'IRMAR, de mon labo à Rennes. Vous avez vu aussi Dominique Cerveau, qui est donc l'éditeur en chef. Et puis, il y a une personne qui n'apparaît pas dans le film, son nom était là tout en bas à gauche. C'est Xavier Caruso, qui a travaillé énormément pour faire ce petit film. Donc voilà, il y a un certain nombre de bonnes volontés, enfin de grosses énergies en fait, de bonnes volontés, qui sont toujours nécessaires pour le lancement d'un projet pareil. Le lancement officiel du journal aura lieu dans quelques semaines, hein, à l'automne. Le site web, qui est celui que vous avez vu, existe déjà. Vous le trouvez avec un moteur de recherche, vous faites Anal Henri Lebègue. Donc vous pouvez déjà aller le voir et le faire connaître. Je vous invite, je vous remercie d'avance de le faire connaître. Et ben voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Voilà. Juste une petite précision sur ce que tu viens de dire. Le lancement, ce sera le début des soumissions ou les soumissions sont déjà possibles ? Les soumissions sont déjà possibles, on en a reçu quelques-unes. Le lancement, ça va être une annonce par diffusion de messages sur tous les réseaux, donc je pense que vous aurez des retours de cette annonce par vos canaux habituels. On a essayé de faire en sorte que le lancement soit fait à la date d'aujourd'hui, en fait, et puis bon, il y a toujours un peu de retard, mais ça va être, quand je dis quelques semaines, c'est, je pense, peut-être en octobre et très certainement en novembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez combien de soumissions pour l'instant ? Vous avez déjà deux. Je pense 10 jours. Bon, il y a des... Ouais. Oui, je voulais juste savoir si... comment vous aviez pensé, d'une part, les droits d'auteur, c'est-à-dire le... Licence Creative Commons. Licence Creative Commons. Ouais. Et par ailleurs, un peu l'aspect juridique. Parce que donc la soumission est tellement simple, par exemple, qu'un auteur n'indique pas vraiment s'il n'a pas publié ailleurs déjà son article. Ou bien si vous allez avoir beaucoup de soumissions farfelues, comment les gérer, ou des choses comme ça, c'est ce genre de choses. En effet, donc je crois pas qu'il y ait de signature ou de cochage de case qui va dans le sens de ce que tu indiques. J'ai oublié de dire, donc ta question est l'occasion pour moi de le dire, c'est que je suis un petit peu comme Jean-René, je suis préposé à la présentation, mais je fais pas partie du comité éditorial ou du comité de direction, et donc probablement il y a des gens qui pourraient répondre mieux que moi sur cette question. Là, je peux pas vraiment te dire. Ce que je peux dire, c'est que dans le site qui va être mis en ligne, il est déjà en ligne, mais il y a une partie qui n'est pas encore en ligne, c'est une fac. Donc il y a une fac qui répond à un certain nombre de questions. Je l'ai lu et j'ai pas trouvé, je crois pas me souvenir de réponse à ta question. Donc je peux pas répondre. J'ai peut-être une deuxième question. Claude nous a expliqué tout à l'heure qu'il avait choisi que le journal de l'École Polytechnique se situe sur un créneau très sélectif. Est-ce que vous avez fait un choix de politique éditoriale dans cette direction ? On a compris la largeur thématique, mais sur la sélectivité. En termes de qualité, tu veux dire ? Je préfère parler de sélectivité, parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont de qualité, qui sont refusés dans des revues qu'on dit haut de gamme et que j'ai envie d'appeler sélectives, donc je préfère ce mot-là. Mais... Ouais, tout à fait. Donc, je crois que dans une phase de lancement, c'est difficile d'être trop sélectif. Nous, on se fixe comme objectif au départ de susciter des soumissions, déjà. Donc, on va faire beaucoup de communication dans ce sens-là. Ensuite, on a pour ambition d'avoir un journal de très bonne qualité. Pour fixer les idées, même si c'est toujours un petit peu flou et les gens n'ont pas toujours les mêmes idées derrière les noms des journaux, mais on ambitionne quelque chose comme les annales de l'Institut Fourier. Voilà, donc quelque chose de généraliste et de très bon niveau. Voilà. Et je ne peux pas dire qu'on va accepter 20 ou 30 ou 60%. Non, bien sûr, on attend d'avoir des soumissions. Il y a des expériences récentes de journaux récents. Peut-être Claude pourrait dire que c'était différent pour le journal de l'École Polytechnique, mais les journaux les plus récents que je connais
cherche avant tout à lancer la machine, et c'est pas toujours facile en termes de flux d'articles. Dire que il y ait Poincaré qui ait publié un article là-dedans, c'est beaucoup plus facile que pour un journal ex nihilo. Hein, c'est très différent, je pense. Oui, alors peut-être pour compléter un peu, nous on compte sur une dynamique un peu différente. L'esprit de la revue, c'est vraiment, enfin, on a même si de fait ça fonctionne pareil pour le journal de l'École Polytechnique, mais notre idée, c'est ce qu'expliquait Nicolas Raymond au début, hein, c'est vraiment de On souhaite nous-mêmes, et on invite les acteurs de la communauté à s'engager dans un modèle de soumission différent et à donner ses chances aussi à des nouvelles revues, parce qu'on ne peut pas asseoir uniquement un changement de modèle éditorial général que sur des anciennes revues. Donc on assume le fait d'être une nouvelle revue, on demande aux gens de faire confiance, on a un comité éditorial de grande qualité, vous pourrez aller le voir, donc il y a une trentaine de personnes essentiellement 3 fois 10 personnes, hein, réparties dans les 3 domaines de soumission. Enfin, c'est des grands domaines, hein, les interfaces sont bien sûr encouragées. Voilà, donc c'est sur cette dynamique-là de nouveauté, de renouvellement et de qualité qu'on compte. Moi, j'ai une question sur la politique de publication, c'est-à-dire typographique. Est-ce que vous avez déjà envisagé un format LaTeX spécifique ou vous allez vous appuyer sur la SMF ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un dédié à ce propos ? Et aussi, je me demandais si vous ne pensez pas, avant d'ouvrir, de mettre un espèce de faux papier, mais avec où on voit comment ça va apparaître. Un papier zéro. Donc, il y a une classe recommandée, qui est une classe AHL, AHL Art. Voilà, comme SMF Art ou AMS Article. Donc c'est une classe recommandée pour les auteurs, ce qui n'est pas obligatoire, mais on encourage les auteurs à envoyer avec cette classe. Sinon, on fait la migration vers cette classe, et ensuite on envoie au centre Mersenne, qui se charge de la mise en forme, conformité de la bibliographie. Voilà. Donc il existe une classe. Et à ma connaissance, il n'y a pas de numéro d'article de démonstration sur le site, mais c'est une bonne idée, on pourrait le faire, oui, tout à fait. Et j'en profite aussi pour savoir si vous avez déjà commencé à prendre des relations avec Central Blatt ou Matsainet dans le futur, le jour où vous existerez vraiment. Oui, je ne crois pas qu'on ait pris contact encore, mais l'ambition, c'est d'essayer d'être référencé le plus tôt possible. Je crois qu'il y a quand une revue est toute neuve, c'est pas possible. Je sais pas exactement quelles sont les conditions. En général, il y a un délai. Il faut pouvoir montrer des publications déjà validées pour pouvoir que le journal puisse être évalué. Enfin, en tout cas, c'est d'accord. Le cas pour au moins Scopus et Web of Science. Je soupçonne que c'est pareil pour Central Blatt et MedScienceNet. D'accord. D'accord. Non, pour MatScienceNet et Central Blatt, ça va beaucoup plus vite. Et je dirais même, Central Blatt, c'est extrêmement rapide. À partir du moment où vous avez un comité scientifique reconnu, et puis quelques articles avec des auteurs aussi reconnus, ouais. Ça va vite. Pour Central Blatt, ça va très vite. Pour MatScienceNet, ça doit dépendre des dates de réunion de leur comité. Par contre, pour Scopus et Easy Web of Science, c'est beaucoup plus lent. Peut-être que je vais juste rajouter un truc, c'est que comme il y a pas mal de bibliothécaires ici, évidemment, je ne vais pas vous conseiller de vous abonner parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, ce serait bien de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez montrer l'existence de ce journal-là dans le cadre des bibliothèques. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? À mon avis, c'est un axe de réflexion qu'il faut... Tout à fait. C'est valable pour toutes les autres expériences du même type, bien sûr. Je renchéris. Hein, donc le petit film sera disponible. Vous pouvez aller voir le comité éditorial, les ambitions du journal. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler, à mettre un lien sur votre page web. Toute action qui vous semble appropriée. Okay. Merci encore. On va vous remercier. Merci. Alors, on a pris un tout petit peu de retard sur le planning, mais je pense qu'à ce stade, on pourrait quand même prendre 10 minutes de pause, juste pour qu'on puisse se dégourdir les jambes, et on prendra avec un petit peu de retard, donc à 35.
Merci.